désolé, monsieur Frodon. Je ne peux le porter pour vous. Mais je peux vous porter vous. Venez! Allez, lève-toi! Monsieur Frodon! 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 Ah, j'ai cru que je vous avais perdu. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que monsieur Gandalf a dit une chose. Qu'a-t-il dit? Surtout, ne le perdez pas, Saint Gamgee. Alors, je ne veux pas vous perdre. Nous sommes encore dans la comté. Que pourrait-il bien se passer? Non! Ah! Frodon? Miri, c'est Frodon Saquet! Bonjour, Frodon. Lâchez-le! Non! Relevez-vous, Frodon! Que veut dire tout ceci? Sam! Vous avez visité les cultures du Permagoth? Oui. Fillon! Pourquoi est-il si énervé? Il ne s'agit que d'une botte de carottes, et de quelques choux, et aussi de 3 sacs de pommes de terre que nous avons empruntés la semaine passée, ainsi que les champignons de la semaine d'avant. Ah oui, Pipin, si tu veux mon avis, sa réaction est démesurée. Fuyons! Ah! 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 Ouh, c'était moi une. Ah, oh, je crois que je me suis cassé quelque chose. Oh. Fiez-vous à un brandebouc et à un touc. Pardon? Ce n'était qu'un détour. Un raccourci. Un raccourci pour où? Des champignons. Oh! Où allons-nous? Pourquoi as-tu regardé? Pourquoi il faut toujours que tu regardes? J'en sais rien. J'y peux rien. Tu ne peux jamais rien. Je regrette, ça te va? Jamais je ne recommencerai. Tu ne saisis donc pas. L'ennemi croit que tu as l'anneau. Il va te chercher sans relâche, Pipin. Ils doivent t'éloigner d'ici. Et toi? Tu viens avec moi? Merry? Allez, viens! Espèce de sale traître! Non! Non, Sam! Laisse-le! Je l'ai entendu de sa propre bouche! Il parlait de nous tuer! Pas vrai! Mais un gueule ne ferait pas de mal à une mouche! Ah! C'est le filin hobbit chauffu qui déteste Smeagol et qui fait de méchants mensonges! Tu n'es qu'un misérable ver de terre! Tu te fais t'écrabouiller! Sam! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Si tu lui fais peur, nous sommes perdus! Ça m'est égal! Je regrette, monsieur Frodon. Je ne vais pas attendre sagement qu'il nous tue. Je ne le reverrai pas. Mais vous ne voyez donc pas que c'est un perfide? Nous n'y arriverons pas tout seuls, Sam. Pas sans un guide. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je suis avec vous, monsieur Frodon. Je sais, Sam. Je sais. Alors fais-moi confiance. Venez, Smeagol. Maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends. À travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité. D'où va se mêler tout va. Vous voyez quelque chose? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe? Ce cavalier noir est en train de chercher quelque chose. Ou quelqu'un. Frodon? Mais c'est faux!
Je dois quitter la comté. Sam et moi, nous nous rendons à Brie. Contre mer ? Très bien. Le bac de Châteaubourg. Suivez-moi. On les a pas arrêtés. Ils vont s'emparer du Seigneur des Anneaux. Vite ! Sur l'autre rive, les sixièmes ne supportent pas l'eau. Quoi ? C'est stupide. Mais je suis un magicien de Orange, je te dis que les sixièmes ne supportent pas l'eau. Rien à foutre. Je vais jouer à Harry Potter avec les autres. Moi aussi. C'est ça la bête, allez jouer avec votre connerie d'Harry Potter.